ma def fun mu jere ciu dopa yonu chai chai bunti yop teju ay way nu may recce aduna du balé jaru wéru yeah blue eye def bopam doñale ay mbokam yene negle Tu trouves notre nouvel appart. Notre appartement ? C'est notre appart à nous. J'ai déjà payé 5 mois de loyer. Il nous reste juste à venir nous installer. Lamine, mais quand vas-tu t'arrêter ? Arrêter quoi ? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. T'as voulu que je m'offre à toi. Je t'ai répondu pas avant le mariage. Tu m'as demandé de t'épouser. Je t'ai demandé de patienter. Et tu as patienté. Et maintenant, ton père n'est pas d'accord. Il ne veut pas qu'on se marie. Mais tu persistes. Jusqu'à quand ? Écoute, je persisterai aussi longtemps qu'il le faudra. Un homme devient meilleur grâce à sa femme. Je veux que tu sois ma femme, qu'on ait plein d'enfants et que tu inculques les mêmes valeurs à notre famille. Et je sais que tu es capable de le faire, que tu es une bonne personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À quoi bon se marier si tu n'as même pas la bénédiction de tes parents ? On n'aura quel avenir, nous ? Écoute. On aura l'avenir qu'on créera ensemble. Tu vois, mon père, c'est pas quelqu'un de méchant, tu sais. Je te le jure. En fait, c'est juste que il te connaît pas comme moi je te connais. S'il savait comment tu es au fond de toi, il t'aimerait tout comme moi je t'aime. Ça lui passera tôt ou tard. Et à ce moment-là, on profitera pleinement de notre relation. Fais-moi confiance. Merci. Anita, tu viens de découvrir la vérité. Et je suppose que tu sais maintenant pourquoi c'est si dur pour moi de dire la vérité à ma femme. Et surtout qu'en ce moment, tu sais bien que son état de santé est très fragile.
Mais quoi qu'il en soit, elle saura la vérité. Parce qu'elle a le droit de connaître la vérité. Mais je veux que tu me promettes que tu vas garder ce secret. Et me laisser le temps de choisir le moment opportun pour lui dire tout. Tu sais, tous ces mensonges, il n'y a que moi qui puisse en parler à ma femme. Et personne d'autre. Ok, Bachir. J'accepte de garder le secret. Mais si je le fais, ce n'est pas pour toi, du tout. Je le fais pour ma sœur. Je refuse qu'elle s'inquiète. Elle a déjà assez de soucis, en plus de sa santé qui va mal. Si moi j'ai eu du mal à encaisser la nouvelle, j'imagine même pas pour elle. Et nous, depuis tout ce temps, on l'a crue folle avec cette jalousie maladive de penser que tu l'as trompée avec votre servante, alors qu'elle avait toujours vu clair dans ton jeu. Tu l'as laissée vivre avec ce mensonge alors qu'elle avait raison. Tu n'as pas honte, Bachir. Et je vais te dire une chose. Si tu ne lui dis pas la vérité, quand elle ira mieux, moi je vais prendre la responsabilité de la lui dire. Mais gare aux conséquences. Arrête, c'est bon là, Virginie. J'en ai plus qu'assez, je retourne à Paris. Je peux vraiment plus rester ici. C'est pas possible. Bon, ok, je comprends. Mais quand même, tu devrais pas t'en aller comme ça. Pense un peu à Majib, je te rappelle qu'il t'a suivi ici. Majib ou pas ? J'ai pris ma décision, c'est clair, je rentre. Que tu veuilles partir. D'accord, rentre donc à Paris. Si tu veux retrouver ce calme et cette tranquillité d'esprit et tout, ok. Mais franchement, il faut que t'en parles à Majib parce que t'es pas venue toute seule. Il faut vraiment que tu parles de ça avec lui. Non. Non, Virginie. Je crois que j'ai fait suffisamment d'efforts par rapport à Majib. J'en ai plus qu'assez. J'en peux plus. Et dans toute cette histoire, tu veux partir quand ? Virginie, j'ai déjà modifié nos billets pour ce soir. Et il le sait. Donc voilà. S'il m'aime tant que ça, il me rejoindra à l'aéroport. Chérie, je te le cache pas, mais là tu précipites trop les choses alors que faudrait y aller doucement. Parce que t'es en train de prendre des décisions que tu pourrais regretter, tu vois ? Donc, vas-y, mollo. Ma décision est prise. Virginie, écoute, je vais te laisser. Il faudrait que je finisse de préparer mes valises. Je t'appelle avant de partir. D'accord. Bisous. Tonton, t'as de la visite. Et c'est qui ? T'entends ? Merci. Madame ? Non merci, mademoiselle. Saliou ne trinque pas avec les forgerons. C'est pour ça que tu la regardes ? N'exagère pas. Tu n'es qu'un moins que rien. Oui. Il faut que tu comprennes que c'est ton fils qui est tombé amoureux de ma fille, et non le contraire. Donc ça devrait être à moi de refuser cette union. Parce que ma fille n'a rien fait de mal, elle est pure, Machala. Mais pour qui tu te prends ? J'ai pour toi plus de mépris que tu n'en as pour moi. Tu es loin d'être un aussi bon musulman que tu le prétends. Attends. Tu es chez moi. J'ai rien contre toi. Il n'y a rien de personnel dans cette histoire.
bien que tu connaisses ma femme. Tu n'y crois même pas. Hors de question, tu m'entends, que j'aille à l'encontre de nos coutumes. Je respecte la tradition. Je suis un Cissé. Et votre rôle dans notre histoire, c'est d'être nos esclaves et rien d'autre. C'est connu, vous ne servez à rien d'autre que ça. Hors de question de se marier ou de partager un verre, comme tu l'as si bien compris. Ce n'est pas à toi de décider pour eux. Mai continuera de fréquenter la mine si elle le veut. Et tu ne pourras rien faire contre ça. La mine est mon fils et il fera ce que je lui dis de faire. Sinon, il ne fera plus partie de la famille. Ce n'est pas mon problème. Vois plutôt ça avec ton fils. Sors de chez moi! C'est avec plaisir que je m'en vais. Moi aussi, j'ai une maison. Saliu, tu me déçois. Tu es quelqu'un de répugnant. Tu n'es pas le seul à posséder ta maison. Sors d'ici! C'est quoi ça? Ah, maman. Allô, Penda ? Oui, Ami. J'ai emmené Anna Eva chez Mam. Par contre, j'ai pas trouvé l'argent que tu as laissé pour faire les courses. Tu l'as déposé où ? C'est moi, j'ai oublié. Mais attends, pas de problème. Je vais te faire un virement. Il y a pas de souci, ok. Non, Mai, franchement, sérieux ? Bien, la mine a assuré. Ça, c'est un homme, il n'y a pas de doute. Franchement, ça m'inquiète un peu, Vivi. Je sais pas, tu te rends compte quand même? Le gars, il va quitter ses parents juste pour être avec moi. Il fait tout ça à cause de moi. Mais Vivi, tu me connais, tu sais que j'ai pas de soucis pour habiter là-bas. Franchement, plus, il n'y a personne chez eux. Et alors? Quoi? Mais attends. Si son père refuse que vous soyez ensemble, il va faire quoi, la mine? Te quitter? Non, bien sûr que non, mais... je sais pas. Arrête. Il n'y a pas de mais. Tu dois trouver un moyen de pouvoir vous marier au calme pour ensuite vivre heureux dans votre petit nid d'amour. Personne vous dérangera. T'es vraiment dingue, toi. Tu le sais? Rigole pas, je suis sérieuse. Fais attention, je pourrais bien me trouver un mari avant que tu aies le temps d'épouser la mine. D'accord? Ouais, c'est ça. Hein? Peut-être ami, ok, y a pas de souci, mais Daymarie et moi, on est bien en avance sur toi. Fais gaffe, je pourrais très bien vous surprendre. T'inquiète même pas, tu sais? J'avoue que j'y pense beaucoup ces temps-ci. En plus, Lucas, il voudrait bien que je revienne. Bien entendu, il essaie de me convaincre avec beaucoup, beaucoup de tact et de romantisme. Tu sais bien comment il est. Voilà, c'est mignon. Mais j'y pense, Mai. J'en viens me demander de plus en plus pourquoi... je me décide pas, en fait. Vas-y. Mais seulement si tu es sûre de tes sentiments. Bah t'inquiète. Ça va aller. Mais sinon... fais ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Tu sais que je suis pas à Dakar, malheureusement. S'il te plaît, fais au mieux pour contacter Majib. Et essaie de le convaincre de rentrer avec Day, franchement. Je vais y aller tout de suite, alors. Et espérons qu'il parte avec Day. Bon, prie pour nous. Allez, je t'appelle après. Bisous, bisous. Mouah. Khadija et Tétresse. Je les ai défaites hier avec mes copines. Dis-moi, comment va-t-elle ? Beaucoup mieux. C'était juste un malaise. C'est ce que le médecin a dit et il voudrait faire des analyses pour en savoir plus. Ok, je vois. Ça ira mieux, Inch'Allah. Alors si tu veux, tu peux aller rejoindre tes copines. Je vais garder un œil sur ta maman. Mes copines sont déjà toutes parties. Mais je vais y aller quand même. Okay. J'ai du travail.
Dis, Tata, tu t'y connais en art contemporain ? En quoi ? Contemporain. Je ne m'y connais pas du tout. Dommage, là je suis bloquée et j'ai plein de questions. Mais je sais qui appeler. Ah, c'est bien alors. À plus, Tata. Allez, bisous, ma chérie. Marie a pris 2 billets pour la France, elle veut que je la rejoigne là-bas pour qu'on essaie de régler tout ça. Et le truc, c'est que je sais pas si je dois y aller ou pas, parce que... Je pense que si on doit décider un truc, on peut le faire ici, ou je sais pas, à distance. Je sais pas si je dois vraiment y aller. Après, on sait pas si on va arrêter. Ce sera une perte de temps, une perte d'énergie, mes parents qui sont ici, c'est vraiment compliqué en fait. Et là, je suis dans le flou, je sais pas ce que je dois faire, c'est compliqué. Pourquoi tu dis que t'es dans le flou, en fait ? Écoute, Dame Marie a raison. Va la retrouver à l'aéroport, et ne traîne pas. Moi, je suis d'accord avec elle. Si vous devez vous marier, vous pouvez le faire là-bas. Allez régler ça, loin des problèmes. Vous prenez pas la tête avec toutes ces histoires de tradition et tout. T'inquiète pas, papa et moi, on va régler ça, d'accord ? Bon, je te laisse, Frangin. T'inquiète pas, je te tiens au courant. Écoute, je te rappelle, ok ? Je te rappelle. Ça t'arrive de frapper avant de rentrer chez les gens ? Je suis désolée, mais tu réponds pas à mes appels. Je commençais à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de nouvelles de toi. Ami, calme-toi, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Ok ? C'est quoi, alors ? Écoute, je vais retourner en France. Je suis désolé, ami. C'est pas contre toi. Écoute, Dame Marie a pris 2 billets pour la France. Et je veux que... Elle veut que je la rejoigne, pour qu'on essaie de régler ça. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Bien, et moi, dans tout ça ? Donc tout ça, c'était des belles promesses ? Absolument pas. Et la nuit qu'on a passée ensemble ? Écoute, tout ce que je t'ai dit ce soir-là, tout ce qu'on a vécu... Ce sont des choses que je pensais vouloir. Enfin, que je veux encore. Alors ne pars pas, s'il te plaît. C'est pas aussi simple, ami. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Écoute, je suis venu ici pour épouser ta meilleure amie. Les choses ne sont pas déroulées comme on l'avait prévu. Je t'avais pas prévu. Toi non plus, tu m'avais pas prévu. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Que je prenne le temps de réfléchir. Que toi, de ton côté, tu réfléchisses aussi. Je suis vraiment désolé. Majib. Complique pas les choses, s'il te plaît. Majib, ça sert à rien de réfléchir alors que tu sais ce que tu veux. Je pense pas, ami. Regarde, est-ce que j'ai l'air de mentir ? Majib, je sais ce que je veux. C'est toi, Majib, je t'aime. Je sais que cette affaire entre Dame Marie et toi, c'est pas facile, je suis d'accord et je comprends.
Mais moi, je t'aime et je suis prête à l'assumer devant tout le monde. Je t'aime, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. C'est qui ? Ben, je sais pas. Si c'était ma mère. Tu peux aller dans la chambre, s'il te plaît ? Encore ? S'il te plaît. Ok, ok. Allez. Ah, ça me fait super plaisir de te voir. Ouais. Mai, tu vas bien, alors ? Quoi de neuf ? Ça va, écoute, ça va. Je suis vraiment désolée de venir à cette heure-ci, non, surtout. Non, t'inquiète. Mais il fallait que je te parle. Je vois, ouais. Majib, je sais pas ce qui se passe avec Day, sincèrement. Mais il faut que vous régliez votre problème. Il faut que tu la retrouves à l'aéroport. Écoute, je vais te donner un conseil. Rentrez chez vous et puis parlez. Ici, au Sénégal, c'est difficile de régler des problèmes. Que ce soit la famille, les amis, je suis bien placée pour te le dire, Majib. Ouais, je vois, écoute. J'apprécie énormément le fait que tu te sois déplacé jusqu'ici pour me dire tout ça. Bon, c'est vrai qu'avec Day, dernièrement, c'est un peu... Majib, t'es sérieux ? Majib, je te le dis aujourd'hui, Day n'a jamais aimé un homme comme elle t'aime. Elle est follement amoureuse de toi. Elle ne parle, mais alors que de toi. Tu me dis que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui te retient à Dakar ? Pourquoi tu pars pas ? Bien, Mai. Ami ! Ami, sors de là ! Hé, hey, tu calmes. Am, laisse-moi, Majib ! Vous êtes tous écœurants ! Mai, il n'y a personne ici. Je sais qu'elle est là ! Ami, je sais que tu es là ! Ami, je ne rentrerai pas tant que tu ne seras pas sorti ! Ami, sors ! Je le savais. Je le savais. Mais vous êtes dégueulasse. Ami, ta meilleure amie. Ami, comment t'as pu faire ça ? Et... Day doit tout savoir et elle va tout savoir. Je suis désolée. Je suis désolée. Mai ! Maya, attends, non, je vais te... lâche-moi, qu'est-ce que tu veux ? Non, écoute-moi s'il te plaît. Pourquoi ? C'est pas ce que tu crois, je peux t'expliquer. Ah bon, tu crois ça, Ami ? Pour moi, tout est clair maintenant. Tous les soupçons que j'avais. J'avais raison. Mais Maya, tu me connais. Non, ça c'est faux. Je te connais pas, Ami. Je te connaissais. Mais plus maintenant. Ami, tu es... Ami, je sais. Je t'ai vu manipuler les hommes à tour de bras. Pourtant... J'ai jamais dit un seul mot. Pourquoi ? Parce que je sais ce que t'as enduré, je sais que t'as vécu des moments difficiles. Mais j'aurais jamais cru que tu pourrais trahir ta meilleure amie. J'ai toujours supporté tes combines. Non ! Je t'ai soutenue. Jusqu'au bout. Mais là, t'es allée trop loin. Ça suffit. Mai ! Là, c'en est trop. Non, s'il te plaît. Day va tout savoir. Non, Day doit pas si, savoir. Si, elle va le savoir, Ami. Majib est le père d'Anna Eva. Qu'est-ce que t'as dit ? Day doit pas le savoir sinon. Qu'est-ce que t'as dit ? Majib est le père d'Anna Eva, Mai. Ami, tu veux me dire que... Majib, le fiancé de Day,
était le copain d'Anna? Exactement, et c'est pour ça que je ne veux pas que Daymarie le sache. Sinon, Magie vient vraiment enlever Anna et Eva. C'est bon, j'ai compris. Almy, c'est bon. Maï, s'il te plaît. Maï, Daymarie ne doit surtout rien savoir de tout ça. Pas pour l'instant, s'il te plaît, fais-le pour moi. Non, Almy. Pas question. Tu vas pas me faire croire qu'aujourd'hui tu fais tout ça pour Anna et Eva. Non, non, tu vas pas me pas seulement, croire. Mais pour Daymarie aussi. Almy, tu es sûre? Réponds. Maï, écoute-moi, je te jure devant Dieu que je te dirai toute la vérité. Mais il faut que tu me fasses confiance. Magib n'est pas un homme bien. Almy, et Daymarie arrête, ne doit arrête, pas... C'est bon. Ça suffit. Je connais par cœur ton discours. Tu prends les gens pour des ânes. Mais moi, je suis pas dupe. Ok? Je suis pas aveugle. Et je vais te dire la vérité. Hein? Tu es amoureuse de Magib. N'importe quoi. Ne mens pas, Almy. Hey, tu peux la faire à tout le monde, sauf à moi. Écoute-moi bien, Maï. C'est ma décision. Et je n'arrêterai pas. Magib et sa famille doivent payer, même si je dois te trahir pour venger Anna. Almy, c'est pas toi. Hein? Ok. T'inquiète pas. T'inquiète surtout pas. Day saura rien. En tout cas, venant de moi. Mais toi, tu m'as déçue. Tu m'as trahi. Maï! Tu n'as aucun principe, Almy Léassi. Et tu sais quoi? Notre amitié est terminée. Maï! Tu peux tirer un trait dessus. Je ne veux pas d'une amie comme toi. Maï.